7 livres que j'aurais voulu lire beaucoup plus jeune pour déconstruire énormément d'idées beaucoup plus tôt. Alors, le premier livre, ça va être Kalala Mutunde, Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle. Pourquoi? C'est un livre qui m'a vraiment explosé tous les verrous qu'il y avait dans mon cerveau. Ça m'a permis de comprendre ce que c'était que l'aliénation culturelle, sa définition. Vous voyez, moi j'aime bien à chaque fois surligner, noter. Je ne fais pas sur tous les livres, mais certains, ouais, je ne peux pas m'en passer. C'est un livre vraiment incroyable. Vraiment, honnêtement, je vous le recommande. Je pense que j'aurais vraiment voulu que l'on me suggère de lire ce livre-là beaucoup plus tôt. Je pense que à mes 17 ans, 16, 17 ans, ça m'aurait fait vraiment du bien de lire ce livre-là. Donc voilà, si je devais parler à mon moi de 16, 17 ans, je pense que j'aurais déjà commencé par lui dire, écoute, lis ce livre et crois-moi, accroche-toi parce que la vérité, eh bien, il faut que tu sois prêt à pouvoir l'entendre. Être l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Ça, c'est un livre. Je pense que juste après le livre sur l'aliénation culturelle, j'avais besoin, en tout cas personnellement, de comprendre un peu plus ce qui se passait par rapport à toutes ces religions, puisque moi, j'avais du mal avec ce concept de religion. Ce livre-là de Dombey Fakoly, l'origine négro-africaine, pardon, des religions dites révélées, je vous le recommande 10 000 fois. Il est très connu, hein, de toute façon, il est très accessible. Voilà, c'est juste incroyable. Vous avez compris, il s'agit d'un livre qui mérite d'être lu. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il va déconstruire très rapidement toutes les religions dites révélées, que ce soit les religions abrahamiques, hein, donc comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc c'est super intéressant, ça donne beaucoup d'informations et ça permet aussi de déconstruire pas mal d'idées reçues. Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye, incroyable. Incroyable, c'est vraiment une enquête historique finalement. On parle vraiment d'un livre qui permet de comprendre ce qui s'est passé lors de la traite arabo-musulmane, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on parle beaucoup de la traite transatlantique, mais on parle très peu, en tout cas, de ce qui s'est passé avec les arabo-musulmans. Et je peux vous dire que ce livre-là, il m'a donné les larmes aux yeux parce que c'est des horreurs et c'est très bien écrit, donc ça fait très mal de lire certaines choses. Il y a été documenté, c'est sourcé, il n'y a pas d'ambivalence, on sait, tout est sourcé, tout est propre. Il y a eu des choses vraiment, c'est horrible et ça permet aussi de se poser les bonnes questions sur les religions que l'on peut pratiquer d'ailleurs et se demander, ok, mais à partir du moment où toutes les religions ont été imposées via la violence, en tout cas sur le continent, notre continent à nous, voilà, il faut se poser les bonnes questions et c'est intéressant en tout cas de lire des livres qui vont parfois déconstruire certaines choses et qui vont pas, qui vont à l'encontre peut-être des idées que l'on pouvait se faire. Et je pense que c'est intéressant de lire ce livre-là. Moi, Tidiane Ndiaye, Le génocide voilé, c'est mon troisième livre sur la liste. L'Afrique noire précoloniale. Alors, ce livre-là de Charanta Diop, L'Afrique noire précoloniale, c'est un livre qui est finalement assez. Moi, j'ai trouvé qu'il était moins compliqué à lire que Nation Négre et Culture. Moi, Nation Négre et Culture, j'ai mis du temps à me le lire, c'était un peu redondant, j'avais du mal parce que j'étais pas du tout dedans. Ça a été le premier livre que j'ai lu, j'avais du mal à comprendre, je comprenais pas qui étaient les Dogons, enfin j'étais vraiment perdu et aliéné à un point incroyable. Ce livre-là, j'ai lu bien des années après et voilà, c'est une perle d'or. Enfin, vous voyez, hein, j'ai des post-it, j'ai surligné des passages, voilà, c'est vraiment, ça vous montre vraiment en fait à quoi ressemblait l'Afrique, je dirais, avant la colonisation. Et puis ça vous montre également les royaumes, les différents royaumes qu'il y avait, donc le royaume Mandingue, Songhai. Il y avait également, comment dirais-je, Ghana. Comment nos ancêtres vivaient, quels étaient, comment ils faisaient le commerce. Je sais qu'il y a eu un ami pas très longtemps qui a commenté par rapport au commerce. C'est super intéressant de lire ce livre-là et d'expliquer par rapport à l'or, à quel point finalement chez nous, comment on valorisait finalement ces métaux qu'on savait qu'ils étaient précieux, contrairement à ce qu'on peut comprendre, en tout cas quand on était jeune. Moi, quand j'étais jeune, on nous faisait croire que quand les Blancs sont arrivés, ils nous ont échangé un bout de miroir contre de l'or et on était contents de la danser. Non, c'est pas du tout comme ça. On était, comment dirais-je, très alerte, hein, sur la valeur de ces métaux, mais on ne valorisait pas ces métaux de la même façon. En fait, on avait une façon de valoriser qui était complètement différente, donc c'est ultra intéressant. Il y a des passages sur la monnaie
qui mérite d'être lu et relu. Moi, j'ai surligné parce que je sais que voilà, j'aurais besoin de les relire. Et ça, c'est ultra important. Il y a aussi voilà, le système de dette, comment ça fonctionnait, l'import-export, parce qu'on fait de l'import-export. Voilà, honnêtement, c'est un livre, c'est une perle, c'est incroyable. Il parle également, je dis il d'ailleurs, grand respect au professeur Sharonta Diop, très grand homme, qui parle justement de la naissance du capitalisme en Occident, et il fait une parallèle entre, enfin, en tout cas, il compare ce modèle-ci avec notre modèle. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Honnêtement, je vous le recommande. Ça permet d'avoir des nouvelles perspectives sur comment voir le monde, et je trouve ça super intéressant. Ce prochain livre, c'est toujours Sharonta Diop, L'unité culturelle de l'Afrique noire. Alors pourquoi j'ai mis ce livre-là? Ce livre-là, moi, il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Déjà, première chose, c'est que je ne savais pas du tout que chez nous avions des sociétés matriarcales. Je n'étais même pas au courant, je vous dis la vérité, qu'il y avait un système matriarcal, que ça pouvait exister. Pour moi, j'ai grandi dans un système patriarcal, je n'ai vu que d'un système patriarcal, et je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un autre système matriarcal. Et en fait, ce livre-là m'a permis de comprendre que, du coup, nous sommes donc le berceau de l'humanité et que nous étions une société matriarcale. Et il vous démontre pas à pas de pourquoi aujourd'hui nous sommes convaincus que nos ancêtres avaient justement une société matriarcale. Et c'est tellement intéressant, et il fait justement cette comparaison entre notre style de vie et au niveau de l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres peuples, par exemple indo-européens, étaient des peuples nomades, donc ils se baladaient, enfin ils se baladaient en tout cas, ils étaient amenés à se déplacer très souvent. Et nous, notre peuple, nous étions des peuples sédentaires. Ça veut dire que du coup, nous observions la nature, nous observions tout un tas de choses, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une avancée technique et sur pas mal de plans, je dirais, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'astronomie, etc. Et donc, c'est intéressant de voir la place de la femme dans tout ça, et c'est juste incroyable de lire toutes ces informations, toute cette richesse, une mine d'or. Vraiment, ça a déconstruit énormément. Voilà, moi, je vous recommande l'unité culturelle de l'Afrique noire, si vous n'avez pas encore lu, très intéressant. Et c'est vraiment voilà, c'est ce genre de livre-là qu'il faut lire très très rapidement. Le prochain livre, Pélagia. Alors, Pélagia de Kalala Oumoutoundé. Voilà, je pense que à partir du moment où on a lu les livres que je vous ai présentés, ce livre-là, il permet en fait de resituer pas mal de choses. C'est-à-dire que dans le contexte historique, nous avions l'habitude de croire que nos ancêtres n'ont finalement rien fait, n'ont rien légué. Alors que finalement, on se rend compte que l'Europe s'est construite, pardon, sur justement, je dirais, le savoir hein, de nos ancêtres, le savoir de Kama. Et ça, en fait, Pelagia, et bien justement, ce livre-là nous présente dans des détails qui sont croustillants, finalement, avec des faits, à quel point finalement, eh bien, les locoderme, hein, les occidentaux, ont récupéré finalement tout un tas de savoirs et ont essayé, effectivement, grâce à la falsification d'histoire, de s'octroyer les droits, de dire que c'est eux qui ont inventé. Et donc, c'est intéressant, en fait, de comprendre que même le mot Europe, hein, parce qu'on parle de l'Europe, même l'Europe, eh bien, c'est, encore une fois, ça vient de chez nous, encore une fois, hein, rien que pour vous dire. Donc, c'est énorme. Ce livre-là, il est vraiment énorme. Je crois que c'est d'ailleurs le dernier livre publié par Kalala Moutoudé, mais peut-être que je me trompe. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes, je vérifie la date pour pas vous dire n'importe quoi, nous sommes le 17 mars, donc peut-être que si vous regardez la vidéo plus tard, ça sera plus d'actualité. En tout cas, ce livre-là, je vous le recommande, il est vraiment incroyable. Enfin, mine d'or, Kalala Moutoudé, on ne présente plus, incroyable. Franchement, voilà, ça, c'est le genre de livre. Vous savez, moi, j'écris sur les livres, je stabilote et j'espère que plus tard, mon fils, ma fille, quand il ou elle tombera sur ce bouquin, en fera bon usage parce que c'est important. Dernier livre que j'aimerais vous présenter, African Holistic Health de Laila Africa. Ça, c'est le livre que j'aurais voulu lire, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ce livre-là, en fait, il vous permet de comprendre une chose qui est incroyable, c'est que nous n'avons pas les mêmes corps. Nous n'avons pas le, le. Nous ne sommes pas constitués de la même façon. C'est-à-dire qu'un corps
de Kamitz n'est pas pareil qu'un corps de Lecoderme, n'a pas les mêmes besoins en termes de nutrition, en termes, enfin voilà. Donc c'est intéressant de comprendre ça, et c'est des idées des fois auxquelles, ou quand on ne lit pas ce genre de bouquin-là, on ne peut pas s'en rendre compte. Et donc ce bouquin-là, qui est juste incroyable, donc là vous voyez, hein, voilà, et c'est intéressant, White Junk Foods Are Killing Black America, What Sugar, White Flour, What Rice, What Salt, etc. etc. Bon, j'ai un très mauvais accent, mais là n'est pas le sujet. Ce livre-là est juste incroyable, honnêtement, je vous conseille de le lire. Moi, c'est une amie qui me l'a offert. Je ne cesse, hein, de lui dire merci. Elle me l'a. J'étais aliéné, hein, quand elle m'a offert ça. J'étais complètement aliéné. Elle me parlait de ça depuis un bon bout de temps, et elle me l'a ramené, en fait, et elle me l'a donné. Et ça m'a ouvert les yeux, et je l'ai relu. Parce que quand je l'ai lu, j'étais encore aliéné, donc je l'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai mis de côté. Et aujourd'hui, avec, ben je le reprends, et ça devient un livre que j'essaie de consulter le plus souvent possible, parce que en fait, il vous donne des recettes sur, comment dirais-je, alors des recettes pour votre alimentation personnelle, bien évidemment, mais également des remèdes à base de plantes, à base de produits qui viennent de la terre-mère, à base de produits qui sont bons pour nous. Et il nous explique que voilà, nous avons une médecine, ben, il y a une médecine européenne, hein, donc European Medicine is for people of European descent. Et ça, c'est, ça paraît, aujourd'hui, ça paraît très simple, mais ça n'était pas dans nos têtes jadis. En tout cas, moi, en tout cas, ça n'était pas. Et puis, African Medicine is for People of African Descent. Ça parle également des différentes maladies qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on mange. Si on mange trop de sucre, si on mange pas assez alcalin, etc. Et voilà. Donc ce livre-là, vous pouvez le trouver très facilement. African Holistic Health de Laila Africa. Franchement, je parle anglais, mais je suis pas non plus bilingue, et je peux vous dire que ce livre-là est juste incroyable. Je vous conseille. C'est le livre que j'aurais voulu lire si j'avais été, si j'avais eu l'occasion de le lire bien plus jeune, pour changer mon alimentation bien plus tôt. Voilà les amis, je vous ai fait une liste de 7 livres que j'aurais voulu lire beaucoup plus jeune pour pouvoir déconstruire pas mal d'idées. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi, quels sont les 7 livres que vous auriez voulu lire beaucoup plus jeune?